qu'on a écouté le vendredi dernier, aujourd'hui, qui a lu le message de Eka sur les réseaux sociaux, pour savoir qu'est-ce que nous allons écouter aujourd'hui. Je souhaite que l'activité soit interactive, parce qu'on vous a invité non seulement pour écouter Papa Tira, mais également pour passer un vendredi différent. Dans la normalité, on demande à ceux qui viennent de venir avec les Kaseksi. Parce que dans le parage, il n'y en a pas. Dans la normalité. Mais je vous dis, vous pouvez également prendre votre bière sans aucun problème. Il y en a, je pense, Moïse. Il y en a, il y a quoi? Aseme kuko classe na Primus. On appelle la classe na Primus na Eleken. En allant pas les villes comme ça, c'est qui est histoire des Papa Tira Bilashida. Voici, nous nous sommes des traditionnels. Le quatre cailloux que vous voyez là, c'est pour demander au bon Dieu de faire en sorte que ces anges ne nous puissent pas déçus. J'ai un disciple ici, Destin. Tu connais ce genre de prière? Lorsque la pluie menace de tomber, il suffit de prendre deux cailloux comme ça, de cette couleur-là. Vous commencez à les claquer l'un contre l'autre et à invoquer le bon Dieu et à lui demander d'envoyer la pluie à l'Afrique du Sud, à Cape Town. Et vous allez voir, la pluie se dirigera vers le sud là et vous allez vous livrer à votre activité. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour nous avoir permis de tenir cette troisième séance de Autour du Feu. Mais avant de parler, un vieux demande toujours de se racler la gorge. Merci. Si vous voulez connaître l'histoire de la ville de Bukavu, voici, il existe dans la bibliothèque de l'ISP un mémoire. C'est le mémoire le plus usé. Dès qu'on vous le remet, vous ne saurez même pas si vous avez affaire à un mémoire ou à un chiffon. Le mémoire est très lu. Nous disons que le mémoire, il est très lu. Il date de 1973. Mais il ne dit pas tout, parce que après ce mémoire, il y a eu d'autres informateurs et d'autres informations, au point qu'aujourd'hui, nous allons vous parler de Bukavu, de ses origines. Qui est-ce qui connaît la date de fondation de la ville de Bukavu? Ah, tiens, Moussa Pilikolo. Tokatayango. Qui est-ce qui connaît la date? Personne, hein? C'est en 1900, tout juste, 1900, le 3 juillet 1900. Ça va? Qui ont fondé la ville? Trois Européens, un certain Olsen. Si vous avez déjà circulé à Kinshasa, l'ancienne ville de Kinshasa, il y avait là une avenue Olsen. Olsen, un certain Mills et un certain, je crois, Eloi. Trois jeunes gens, des blancs, ils s'appellent Olsen, qui encore?
Éloi et Mills. Le 3 juillet 1900. Vous savez, il venait d'où? Il venait d'Ouvira. Comment sont-ils arrivés ici? Eh bien, c'est parce qu'en 1896, des Batetela s'étaient révoltés à Kananga, le Luabourg. Et alors, après qu'ils aient égorgé leurs officiers blancs, ils ont décidé de fuir. Et on les a pourchassés, on les a rejetés même dans l'actuel Ouganda. D'autres se sont enfuis, ils quittent Kananga, le Luabourg. D'autres se sont enfuis jusqu'à arriver à Beni, à Ituri et même à Fizi. C'est en pourchassant ces gens-là que le commandant de la force publique, nous sommes à cette époque dans un état qu'on appelle l'état indépendant du Congo. Et l'armée de cet état s'appelle la force publique. Alors, après qu'on ait pourchassé ces messieurs, ces révoltés, l'histoire des Belges les appelle les révoltés, mais nous, nous les appelons des patriotes, des nationalistes. Eh bien, ces gens-là occupent Ouvira. Et après avoir occupé Ouvira, ils reçoivent l'ordre de remonter vers le nord et de réoccuper la plaine de la Ruzizi et le lac Kivu. Entre-temps, de l'autre côté de la rivière se trouvent déjà les Allemands, au point que quand ils arrivent ici, ils ont quelques problèmes avec les Allemands. Les Allemands sont commandés là, sur la rive gauche, par un officier qui s'appelle Bethe. Bethe, B-E-T-H-E. Et ici, par un officier qui s'appelle Heck. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour couper plus vite, ces gens-là s'installent à Nyalukemba. Question. Que signifie Nyalukemba? L'étymologie. Nyalukemba, qu'est-ce que ça signifie? À l'armée, on pose la question. N'en est-il capable d'avoir? Personne. Hein? Voici l'explication de Nyalukemba. Avant l'arrivée de la colonisation, il y avait des échanges entre le royaume du Rwanda et le royaume du Bushi. Les Rwandais faisaient traverser leurs vaches et quand ces vaches arrivaient du côté de Murumba, où se trouvait le fils de Tebura, cet homme-là, il tâtait les vaches. Et les vaches les plus grasses, ils demandaient à ces sujets de les garder pour qu'ils puissent les dévorer. En magie, ça s'appelle kukemba. Vous voyez, si vous avez un morceau de viande, aujourd'hui vous n'avez plus beaucoup de morceaux de viande, quartier de vaches que vous pouvez griller ici, et puis vous commencez comme ça à les dévorer. C'est ça, ce qu'on appelle kukemba abanshi. Ne pas confondre avec le verbe kukemba du lingala qui signifie bien devenir gras. N'est-ce pas? Mûrir, être en bonne santé. Alors, Nyalukemba, il habitait l'endroit là où nous avons planté récemment le mutudu. Kimuti. Et les vaches, quand elles traversaient, il y a trois catégories de vaches. Qui est-ce qui les connaît? Il y a des vaches sans cornes. Comment on les appelle en magie? Ngungu. Merci. Les ngungu étaient vendus
sur la colline où se trouve érigé le collège Saint-Paul. Cette colline-là s'appelle Nkungu. Les vaches avec des cornes normales, elles étaient vendues au Bitmwanzi. C'est là, c'est l'endroit qu'on appelait Bukaf. Et les vaches avec des cornes branlantes, qui portent leurs cornes comme des favoris de moustaches, on les appelle Amashi Ntendere. D'où une localité qui s'appelle aujourd'hui Ndendere. Donc les trois catégories de vaches, les unes sont vendues à Ndendere, les vaches normales à Bukavu, Bitmwanzi, et les autres là-bas. Mais alors, quand les colonisateurs arrivent, ils sont armés, et Ieneyo, ce territoire, appartient à un Mwami de Bashi qui s'appelle Rutaganda. Rutaganda. Et Rutaganda ne veut pas perdre sa souveraineté. Voici un incident. Ces gens qui viennent avec une armée, ils n'ont pas de quoi les nourrir. Ils demandent à Rutaganda de leur donner à manger, ration. Rutaganda envoie 32 vaches en Ndendere. Et lorsque le blanc voit 32 vaches, il a beaucoup de bouches à nourrir, il dit aux gens que c'est très peu. Ce qui est un crime de lèse-majesté. Quand un Mwami t'offre quelque chose, vous n'avez pas à dire que c'est peu ou c'est suffisant. Alors ces gens-là sont rentrés à Chirunga, ils ont dit à leur Mwami, le blanc a sous-estimé la quantité. Et alors, le message était le suivant, allez demander à ce blanc-là de venir lui-même chercher plus de vaches ici. Et c'est le blanc que les Bahaïa, qu'on appelle Biniga, les assassins, vont tuer. C'est le lieutenant Arthur Tondeur. Cela s'est passé le 16 juin 1902. Hadi Signor. Hadi. C'est ce que Bukavu aurait dû fêter le centenaire de sa création. En 2000. Pourquoi n'avons-nous pas fêté le centenaire? Les historiens étaient distraits. Comment? Les historiens étaient distraits. Quelle était la situation de notre ville en 2000? Pendant la guerre. L'année 2000 est l'année la plus terrible pour cette ville. C'est l'année où les occupants ont tué le plus de monde. C'est l'année où est mort Catalico. N'est-ce pas? Quel jour? La mort de Catalico. Qui sait? Qui sait? Le 4 octobre 2000. C'était. Comment c'est le 4 octobre? 4 octobre 2000. C'était un mercredi. Merci. Bon. Alors, vous comprenez que le Mwami qui régnait sur ce territoire, il s'appelle Kabare Rutaganda Kadundu Tachugulwa. Kabare signifie chef. Rutaganda signifie celui qui ne se ramollit pas. Rutaganda. Et puis, surnom de guerre, Kadundu. Vous connaissez le Mudundu? Kadundu Tachugulwa. Le Mudundu qu'on ne peut pas déraciner. Il a résisté pendant 19 ans. Et il est mort en 1918-19. Vous savez de quoi? De la grippe espagnole. L'équivalent de ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. Donc, en 1918, il y avait une pandémie semblable à celle-ci.
qui a envahi même le Congo et qui est venu tuer des gens dans les bouchis. On appelle cette période-là Okulwe-Chihus. Une pandémie chez les Bashi s'appelle Chihusi, ouragan. Après que ce Mwami-là soit mort, son fils était âgé de 6 ans. Il s'appelait Rugemanizi. Le pauvre Mwami Rutaganda se cachait par-ci, par-là. Il est allé se marier à Nyabibuye, à Lourala. Et son fils, Rugemanizi, il est né... Où ça? Il est né de Mwamuhaya. Il est né de Kajuru Mwamuhaya. Oui. Mais vous savez où? À Mazigiro. Est-ce que vous connaissez Mazigiro? Oui, à Nyangezi. Nyangezi? Nyantende. Non, au-delà de Nyantende, c'est un coin plus ou moins inaccessible chez Mukubagai. C'est là que... Entre Ibanda et... Oui, mais c'est le village natal de Mukubagai. Et c'est là qu'est né le Mwami qu'on appelle Alexandre Rugemanizi Kabare 00. Son surnom, c'est Kaliumuluri. Kaliumuluri. Le petit oiseau est caché dans des plantes épineuses, le louret. Celui-là aussi va résister contre l'installation de la ville jusqu'à 1936. C'est pour vous dire que la ville de Bukavu est née contre la volonté des Bashi. Et alors, quand les colonisateurs ont commencé à s'installer ici, vous savez par quoi on colonise un milieu? Vous savez par quoi on colonise un milieu? On commence par les arbres. Les arbres. Vous voyez qu'ici, nous sommes au village et nous sommes entourés de la flore de chez nous, ça. Mais la ville de Bukavu n'a plus la flore originale. Pour coloniser Bukavu, on a introduit des arbres coloniaux, notamment l'eucalyptus. Dans ce livre, on vous donnera la date où on a planté les premiers eucalyptus. Pour coloniser un milieu aussi, on change ce qu'on appelle l'habitat. Quel type de maison habitaient les Bashi avant la colonisation? Les huttes traditionnelles, rondes. Et quand les Blancs ont commencé à construire des maisons rectangulaires, les Bashi l'ont considéré comme un idiot. Et les coins qu'il habitait, en construisant des maisons rectangulaires, on a appelé ça Ibanda. La commune d'Ibanda. La commune où on construit des maisons rectangulaires. Des maisons bizarres, n'est-ce pas? Rectangulaires. Ibanda. Et ces amis-là, quand ils ont introduit les Ibanda, eh bien, vous savez ce qu'ils ont créé aussi, hein? Les lieux. Il y a un lieu ici qu'on appelle Nyofu. Que signifie Nyofu à Maj? Hein? Non, Nyofu n'existe pas à Maj. Nyofu est la déformation des mots français. Mettre quelqu'un au Nyouf. C'est quoi Nyouf? Mettre quelqu'un au Nyouf. Au cachot. Oui. Au Nyouf. Et les Bashi ont appelé ça Nyofu. Il y a un autre mot qu'ils ont introduit. Quand quelqu'un devenait prisonnier, on lui rasait la tête. Hein? Et Amashi rasait. Tous les cheveux s'appellent Kumoma. D'où le Muzungu deviendra
Nyamoma. Quand vous allez de ce côté-là, au parquet, n'est-ce pas, et que vous perdez le procès, directement, on vous met au gnouf, mais avant de vous mettre au gnouf, on vous rase les cheveux. Nyamoma. Bon. Le reste, je crois que ça pourrait venir du débat. Adisigno. Ça va. Y a-t-il des questions à poser? Je ne peux pas boire de l'eau. Si vous voulez que je boive ça, vous m'amenez brosse à dents et dentifrice. Une question. Bachi. Ce n'était pas leur volonté que la ville de Bukavu soit créée, ou c'est moi qui ai mal compris. Alors je voulais demander pourquoi est-ce que les Bachis ne voulaient pas que cette ville soit fondée. D'abord, quand les premiers blancs sont arrivés, ils les considéraient comme des autres bizarres. Non, quand quelqu'un arrive, il est tout rouge, comme un enfant Kwashi Orkoré. Ça vous étonne. Et il a des cheveux qui ressemblent à une crinière de lion. Les Rwandais appelaient le premier Bazungu Ikisimba. Donc, des animaux sauvages. Et les mamies de Banyindu, je crois qu'il s'appelle Kabuka, les premiers Bazungu qu'il a vus, il les a considérés comme des sous-alimentés. Il les a capturés. Il a demandé à ses sujets de les suralimenter pour qu'ils prennent notre thym. Vous voyez? C'est la même chose. Nous autres aussi, quand nous allons en Europe, on s'étonne. Hein? Même aujourd'hui, vous voyez? Quand on va à la messe, que c'est un prêtre blanc qui célèbre, beaucoup d'enfants montent jusqu'à l'autel pour regarder de près. Beaucoup de jeunes gens. Hein, comment? Donc, ce que je vois là, à l'écran, c'est vrai. Vous voyez ça? Et quand il rentre, que vous lui demandez? Nani a dit son amis. Il ne croit pas dire, il croit monsieur l'abbé. Oui. Le padiri, c'est le prêtre blanc. Blanc. Hein? Et le monsieur l'abbé, c'est le prêtre noir comme nous. Donc, vous vous demandez pourquoi la ville de Bukavu a été fondée contre la volonté des autochtones. D'abord, vous venez et vous faites perdre aux gens leur souveraineté. Vous leur demandez de changer de religion. Par exemple, le lieutenant Tondeur, on l'a tué, lui, parce que il avait vu un bélier qui se promenait, un bélier que les Bajis utilisaient pour offrir à leur dieu de sacrifice. Il a vu ce bélier-là qui était vénéré par les habitants et il a battu à coup de fusil. Vous voyez? Un jeune homme comme ça, d'environ 30 ans, il vient abattre votre bélier sacré. Où sont mes cailloux? Si je crois ça pour conjurer la pluie, et que quelqu'un vient me dire, ou comme Pagani, ou comme Shenzi, eh bien, il trouble mes convictions. Je vous informe que la mère du mami Alexandre Rougema a été reléguée à Fizi pour une raison très simple. Les prêtres ont baptisé son fils, quelqu'un qui allait régner. Il ne suivait plus les Badinji. Mais tout le temps, il était à la paroisse pour apprendre à faire ceci et cela. Et la reine mère a dit, non, mon fils doit devenir moami. Il faut qu'il vienne et que nous puissions lui inculquer
les idées requises pour qu'ils puissent être Mwami. Vous savez ce que les colonisateurs ont fait? Ils l'ont relégué à Fizi Kalembelembe, 1926. Et Fizi signifie Fisi, hyène, hyène. Ils sont allés la jeter là-bas pour que ces charognards-là la dévorent. Heureusement que les Babembe l'ont vu, ils s'en sont occupés et puis ils l'ont renvoyé vers le Rwanda où elle est morte. C'est à cause de cela que son propre fils aussi va se révolter contre les occupants et il sera relégué en 1936 à Léopoldville pour ne rentrer qu'en 1959. C'est une façon de vous dire que le coin que nous vivons ici, quand il est devenu ville, c'était au détriment des habitants, notamment les habitants qui appartenaient au chef Tebour, fils de Nabouchi, dont le territoire s'étendait jusqu'à Nyungwe. Vous comprenez? Quand on dit on va organiser Berlin 2, il faut accepter. Parce que l'ancien Bouchi s'étendait jusqu'à Nyungwe. Les habitants de Bugarama sont des anciens Bashi. Mais la colonisation nous a divisés en deux, comme il a divisé les Kakwa en deux, les Alour en deux, etc., etc. Je ne peux pas continuer cet exposé sans vous dire que la ville de Bukavu est une ville fondée comme Kinshasa. Quand, après la conférence de Berlin, et même avant ça, on explore, chaque puissance européenne, quand elle arrivait quelque part, elle plantait son drapeau. Ainsi, quelqu'un qui s'appelle Brazza, il plante un drapeau sur la rive droite du fleuve. Stanley plante son drapeau belge sur la rive gauche. Kinshasa est un poste militaire qui est dressé contre Brazzaville, poste militaire français. Goma est un poste militaire belge dressé contre un poste militaire allemand qu'on appelle Kisenyi. Bukavu est un poste militaire au départ, installé ici par les Belges en réaction contre un poste militaire allemand qui s'appelle Changougou. Est-ce que vous connaissez un endroit qu'on appelle Mutuapime? Il y a là-bas une chute. Vous savez d'où... Comment vous pouvez expliquer cette crevasse-là? C'est en 1914, les Allemands qui étaient à Changougou, ils ont envoyé un obus du côté-là, de Nyamira, et c'est cet obus-là qui a creusé le grand trou de Mutuapime. Hadi Sindio. C'est aujourd'hui comme la main. Hungwe, Halafanebi Jachi. Koishi Biobichi, on a beau se moquer du corbeau, il n'a pas cessé de se sentir beau dans sa peau. Les insultes ne sont pas parvenues à blanchir son costume. À tort ou à raison, il en reçoit, c'est la coutume. D'ailleurs, la seule fois qu'on a chanté sa louange, n'est-ce pas pour un fromage? Voilà pourquoi le corbeau est resté sceptique aux hommages. Qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, qu'il croupisse son mon règne et qu'il pisse quand de la parole je m'imprègne. Ils n'ont pas de couilles à te tenir tête pour explorer ta caboche, pensant que parler derrière ton dos soignera tes bosses. Ils insèrent le doigt entre le marteau et l'enclume sous prétexte de les unir. Quand ils disent vouloir t'épanouir, en réalité, ils ne font que profiter, puis nuire. Et la seule fois qu'ils disent te pardonner, c'est par incapacité de te punir. Kweli duniani panamambo, kama ya kuuwi, ya takuponya, usibishe, ishi tu, utaona. Kila siku wazee usema, asiye na shangazi anajishangaza.
Kuliko kuilaani giza, geuka mwangaza, tenda mambo na wache kazi ya kuyatangaza. Maana wajinga wanaposema, wenye hekima unyenyekea. Tumika vema uishi pema, ukiepuka kuwategemea. Tafuta zaidi ila tumia kadiri. Epuka aya bali usipoteze dhamiri. Duniani pana watu wanakukalia miguuni, alafu wanakuamuru inuka. Wanakupaka mavi kisha wanashangaa kusikia unanuka. Duniani pana watu wanakubania leo ili kesho wakulaumu, na wengine unakutakia ufaulu ila usidumu. Ila kumbuka, watu wenye hekima walisema mwanaume ni kama kichwa ya kima. Unaweza kuiweka motoni ile takuchekea. Watu wengi wana vidonda moyoni, ile ukiwatazama utazani wanasherekea. Hadisi njoo. Hadisi njoo. Merci, c'était Achille Argus. J'ai appris qu'au village tout le monde doit chanter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Enfin, je suis servi. Le 30 juin 1960, Bukavu était habité par 40 000 habitants. Les routes que vous voyez aujourd'hui n'ont pas été élargies. Elles ont été construites pour une population de 40 000 habitants. Et vous comprenez alors pourquoi, quoi qu'on fasse, ces routes-là ne sont plus adaptées à notre démographie. Comment s'appelait la place Moulamba avant l'indépendance? La place Moulamba. La place Moulamba, où se trouve-t-elle d'ailleurs? En face du collège Al-Fajiri, c'est l'ancienne place Costermansville. Alors, si vous voulez savoir quelles étaient les anciennes dénominations de nos avenues et de nos rues, lisez ce mémoire-là. Comment s'appelait cette route que nous appelons aujourd'hui l'avenue Lumumba, Patrice Lumumba? C'est l'histoire de notre ville. Vous ne savez pas, vous n'étiez pas né. Ça s'appelait avenue Prince Régent. Qui a décidé de changer ce qu'on appelle la toponymie, les noms des lieux, et l'odonymie, les noms des sentiers, de routes et des avenues? Kachamura. Et puis Mobutu a rajouté. Maintenant, le Bukavu d'aujourd'hui avec le Bukavu de 1900, est-ce que c'est la même chose? Non. Il y a un quartier qu'on appelle Panzi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un taureau, c'était une plantation appartenant à quelqu'un, un blanc éleveur, qui avait un gros taureau qu'on appelle la machi Mpanzi. Mais maintenant c'est Panzi, c'est criquet. D'où vient le mot founou?
les Noirs voulaient que l'homme blanc puisse construire des maisons rectangulaires à Founou. Et comme à Founou, la terre glissait là-bas, il y avait de l'érosion, les Blancs avaient catégoriquement refusé jusqu'à ce qu'ils appellent des gens des fous. Alors, les Autochtones avaient répondu, nous, directement, on avait compris qu'on pouvait surnommer ce quartier-là Founou. Bon, merci, il a des informations vagues. Lorsque les Blancs, mais c'est ça l'information. Lorsque le roi Baudouin est arrivé ici, en 1955, il a regardé de ce côté-là. Il n'y avait que des huttes. Et de ce côté-ci, il y avait des maisons rectangulaires, Ibanda. Alors il a demandé, c'est quoi là, du côté de Kadutu? On lui a dit, ce sont des porcheries. Nyumba Zanguru et Yetu. Et il a dit, vous avez trop de cochons, je vais voir. Et il a demandé au chauffeur qui est maintenant mort, s'appelait Endemon, de l'amener là-bas. Et il est entré dans une de ces maisons qu'on appelait porcherie. Et il y a trouvé son effigie. Parce que partout il y avait son effigie. Bwana Kitoko. Il a trouvé son effigie là. Et la mère de Bigoshi, était en train de pétrir du foufou. Alors, il a trouvé que ce sujet, les Belges l'avaient trompé, les Noirs n'avaient pas de belles maisons, il est rentré et il a exigé que l'on construise des maisons pour les Noirs du côté de Kadutu. Et alors, il y avait des maisons construite par l'Office de Cité Africaine, OCEA. C'est comme ça qu'on appelait, OCEA. Puis ça deviendra plus tard ONL. Ça, c'était pour tout le monde. Mais ce qu'on appelait les évolués, on a construit pour eux des maisons fort d'avance que vous avez dans le quartier asiatique et que vous avez du côté de Nyamugo aussi. De très belles maisons. Alors, les clercs ont demandé à l'ingénieur belge de leur construire des maisons sur une colline où il y avait beaucoup de colocases. Et les colocases s'appellent Bifounou. Et les colocases poussaient là-bas parce que le terrain était très humide. Et l'ingénieur, l'architecte blanc européen, il a dit, si nous construisons des maisons ici, elles vont s'effondrer dans peu de temps. Mais, c'est l'information qu'on doit te donner. Le président des évolués, il s'appelle Kourara, originaire de Nyangezi, il a insisté, construisez-nous des maisons ici. Il a insisté, c'est un évolué, donc un homme, si vous voulez, prétentieux. Et comme il insistait, l'architecte lui a dit, mais vous êtes fou. Et Kourara a réagi, vous nous traitez de fous, nous. Ça c'est aussi l'origine de Founou. Vous nous traitez de fous, nous. Nous les civilisés. Bon. J'espère que vous voyez que l'architecte avait raison. Les belles maisons du quartier Founou se sont effondrées d'elles-mêmes parce que c'est un terrain où il y a ce qu'on appelle nappe phréatique. Parfois, quelqu'un pouvait rentrer chez lui, il trouve la maison fermée. C'est ce qui se passera à Biayen. Biayen. Ça se terminera comme ça aussi, parce que c'est dans un marécage qu'on a construit. C'est ce qui se passera en amont du port Iwoussi. Là aussi, il y avait un marécage. Ça va? Oui, ça va. Hadi, signe. Bon.
somebody pour décapsuler. Est-ce qu'on peut avoir quelques bouteilles de classe pour ne pas boire comme un sauvage? Nous allons boire avec quelques danseurs de Toa Bimba. Donnez-nous quelques quatre bouteilles. Quelques quatre bouteilles. On ne boit pas n'importe comment. Merci. Oh, oh, Ruemisi Lara, yo, Kuga Goromera Lara, oh, Rubavalire, oh, Kumadeni Ruanire. Goromera lara, oh rubabalire, oh kumadeni ruanire. Prenons la bière. Anglais de consommation. Buvons, buvons. Stop. Oh, Ruemisi, yo, merci. Si vous êtes un vrai disciple de Bacchus, ne buvez pas sans évoquer le bon Dieu. Oh, Ruemisi. Donnez-nous la force, Dieu Tout-Puissant. Yokugoromera, de l'ingurgiter, d'ingurgiter cette bière. Orubabadiri, Okumadeni, roi nuire. Et pardonne-nous pour les dettes que nous avons contractées. Ne buvez pas comme des païens, des non-initiés. Nous, nous sommes de vrais disciples de Bacchus. Merci, Papa Tchira. On applaudit très fort, mesdames et messieurs.